comes the y'all don't really worry about it. Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode, si je me rappelle bien, vraiment pour l'épisode 7 du mode 4 dans le mode The Streak, pour casser la série d'Undertaker. Donc les dernières fois, on s'était laissé avec deux défaites, avec CM Punk et Cody Rhodes. Et aujourd'hui, on s'attaque à Damien Sandow et Daniel Bryan. C'est parti avec Damien Sandow. En espérant peut-être gagner une nouvelle fois. Ça serait bien quand même de gagner, parce qu'après deux échecs, ça fait mal au moral. Le score, je me rappelle plus trop. Déjà, moi j'ai 2. Ouais, 2-5 pour Undertaker. Donc, il mène 5, moi j'ai 2, voilà. Ça, c'est chaud de le battre sans Undertaker. Ça, c'est chaud. Et je me dis quand même pas mal des fois. Est-ce que tu as déjà battu Undertaker? Oui. Oui, j'ai déjà battu. Bon, je passe entre tes cœurs, parce qu'on les connaît tous. Monsieur Barbe contre Monsieur Chauve, attention. La pilosité n'est pas la même sur ces deux catcheurs. Essayons de le battre. Bon, pour dire qu'avant, j'ai tourné... le SmackDown épisode 1, comme je suis sur WWE 2K14, pourquoi pas tourner plusieurs épisodes en même temps, parce que c'est pas peine de quitter le jeu puis de revenir pour en tourner un épisode, autant les faire tous en même temps. Là logiquement je devrais tourner deux épisodes d'affilée, puis je vais arrêter WWE 2K14 logiquement pour aujourd'hui. Je prends beaucoup d'avance parce que je sais que dans les prochains mois, voire plutôt dans les prochaines semaines, les prochains mois, je sens que j'aurai pas beaucoup de temps pour jouer. Donc autant en profiter pour. Puisque la rentrée, donc c'est le 6 janvier.
Et c'est bientôt, donc là j'enregistre, on est le 4, donc on est deux jours avant la rentrée. Donc je préfère prendre de l'avance dans mes vidéos, comme ça je pourrais ne pas tourner de vidéo pendant quelques semaines. Et comme je sais que je ne vais pas beaucoup toucher à la Xbox à cause du lycée, je préfère enregistrer d'avance. Ça, si j'aime la console, ben, je jouerai tranquillement à des jeux sans prendre la tête. Tiens, dans tes cœurs, souffre de la jambe, souffre. Je suis loupé dans le contre, je suis nul. Aïe. Que je suis nul. Je suis encore loupé dans le contre, je suis nul. Oh merde, oh. Il a déjà un coup spécial, t'es sérieux? Oh. Il a rien fait du match. Oh, ok, j'ai pas de mal. Il m'a fait deux contre et il a déjà... Oh non. Non, c'est pas déjà fini. Oh non. J'ai encore envie de changer le finish. Je suis désolé. Oh là là, c'est pas déjà fini quand même. Oh oui. Tiens, close line. Descends du genou. Mais reste par terre. Il veut pas rester par terre. T'as pas un peu trop rêvé. Par terre, j'ai dit. Quoi? J'appuie sur Y pour faire le coup spécial et non. Non, tu le feras pas, non. Daniel, tu m'as même pas placé ton finish. Excuse-moi, pas le coup spécial, le finish. Il n'a pas envie, Damien, il n'a pas envie. Eh ben, tu vas te prendre une branlée, Damien. Hein. Oh. Voilà. Il se lève à fond. Boum. C'est pas vraiment son finish. C'est pas son vrai finish. Je suis dégoûté. Je sais pas si on va finir. Ok, il est franchement trop rapide. Ah bah tu vas rebaler les moves, hein. Il est trop rapide. Ah non, j'étais dedans. J'étais trop lent. Bon ben... On va plus compter maintenant, hein. On va plus compter parce que... Parce que je suis sûr de perdre mon Daniel Sandow. Bon, c'est un gros fail, hein. Ah là là, putain. Il m'a explosé. Donc, 2-7, finalement. 2-6 plutôt, excusez-moi. Moi, je marche sur bout de papier à chaque fois. Ouais, 2-7. Je suis dégoûté. Vous avez les poupées qui passent, hein. Putain, 11 000, c'est déplorable. Bon bah j'espère que Daniel va réussir à relever la barre, par contre. Daniel, je compte. Bon, donc pour le prochain épisode, on utilisera donc Darren Young et David Oettinger. Ah putain, j'ai du boulot, j'ai des épisodes à tourner, là, franchement. Bon, on y va, Daniel. C'est pas vraiment un team guess. Mais on y va, Daniel. On y va. Pour changer un peu d'arène, quand même.
s'est mis à 27. Pour changer. C'est parti. Espérons que je réussirai à battre un antiqueur. Yes, 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 yes. Daniel, je crois en toi, Daniel. Je crois en toi. Yes. Je crois en toi, Daniel. Tu peux le faire. Yes, allez, Daniel. Yes, on sait que tu es yes. On peut le faire, Daniel, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. C'est encore plus beau avec ces... Ouais, c'est Mania 27, franchement, comme la reine de WrestleMania... Les meilleures reines que j'ai préférées, c'était WrestleMania 20, WrestleMania 26 et WrestleMania 27. C'était les arènes que j'ai adorées. Regardez-moi cette ampleur, cette grandeur. Je kiffe ces arènes comme ça, aussi grandes. Franchement, j'adore ces arènes. WrestleMania 28, elle est bof. WrestleMania 29, elle est pas mal. J'aime bien aussi. La préférée, franchement, c'est WrestleMania 26. On fera peut-être dans l'épisode précis. Pour le prochain. Le prochain épisode. Pourquoi pas. Oh, Daniel, c'est petit comparé dans tes queues. Il baisse la tête. Vous avez vu que c'est bien une tenue créée, hein. Ça, vous aurez dû savoir que j'ai trouvé donc sur la communauté du Xbox Live, très très bien fait, avec plein de tenues que j'essaierai d'alterner. Tiens, on vit déjà le bras. Voilà, Daniel, ça c'est bien technique. Oh, il t'amène par terre. Voilà, tu testes pas. Voilà. Daniel, tu dois être technique. Voilà, tu vises le bras, Daniel. Merde, tu t'es failli, Daniel. Voilà. Mais tu vises encore ce bras. Tu vas assassiner ce bras. Voilà. Voilà, très bien. On lui prise au niveau des jambes, ça va pas passer pour l'instant. Et tu continues à faiblir ce bras. Et la snap souplex. Je me sens bon, Dave Bryan, je sais pas, mais je me sens bien. Oui, mais c'est le dropkick et touche. Ah, non, mais le coup au bras ne marchera pas. Ouh. Oui, Marcel dans le coin opposé. Le close-line que j'esquive. Je le prends. Je lui fais mal encore au bras. Il m'enchaîne un back suplex. Pas passé. Et là, un drive. Et on vise encore le bras. Tourne-toi. Non. 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 Allez, on meurtrit ce bras. Il faut meurtrir ce bras. On doit l'arracher son bras. Voilà. Et le coup de pied dans le dos. Comme ça, ça fait encore plus mal. Whoa, Brian just cutting down his opponent. You can feel the impact.
Deportation. Des rien. Voilà, très très bonne prise de part de Daniel Bryan. Voilà, comme ça on a fait bien, on est bien technique avec Daniel Bryan. Je le sens bien, franchement, là je le sens bien, bien technique. Comparé quoi, avec Daniel Sandow où là c'était la destruction totale. Là j'ai rien pu faire. Voilà, très bien Daniel, très bien. Putain, il se relève vite, il se relève vite. Même un peu trop vite à mon goût. Et voilà, Neckbreaker. Trop vite, il se relève, le petit Taker. Il se relève trop vite. Non, pas dans le coin, non, pas prise du cochon pendu. Tiens. Oh là là. J'ai contré. Ah, la souffrance du bras. J'aime te faire souffrir dans tes cœurs. Voilà. Technique avec ta pure. Yes. Dans ta gueule. Ah, tu fais rien là, Undertaker, tu fais rien, hein. Oups, oh là là, il m'a fait mal là. Boum. Un choc. C'est bizarre, mais je sentais que ça n'allait pas passer, hein. Tiens. Ah, il peut commencer à être chaud là. Il commence à faire ses prises de salope. Comme je le disais dans l'épisode précédent. Ah non, j'avais contré. Non, j'avais contré au bon moment. Je vais pas me prendre le last raid. Surtout que Tombstone peut être malheureusement inévitable. Et le dégagement. Et voilà. J'ai même pas le temps de me relever qui part déjà pour Tombstone. Pour dire que j'ai aucune chance. Non! Mais non! C'est dégueulasse! Alors, votre perso est en train de se relever. Il appuie sur Y et vous place son finisher. Normalement, quand tu te relèves, c'est inévitable que tu prends un finisher. C'est pas possible que tu comptes. Et il gagne encore avec une victoire un peu imméritée. Sa victoire n'était pas méritée. Il méritait pas de gagner, franchement. Tu m'as déçu dans tes cœurs, tu mérites pas de gagner ce match. Je méritais de battre. En plus, je voulais te faire abandonner, en plus. Tu mérites pas cette victoire. Bouh! 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 Aide-moi! Bouh! Bon. Reprenons. Bon, les amis, 5 minutes, c'est tout. Oh là là. 284 en compétitivité. Bon, ben, les amis, on va s'arrêter là. Même si la vidéo est assez courte, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode 7 vous aura plu. Laissez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On se retrouve là la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens, bye bye, à la prochaine.